Bonjour. Hello. Je m'appelle Nicole et je suis présentatrice du patrimoine à Parc Canada pour l'aire marine nationale de conservation du lac supérieur. Je vous remercie de vous être joint à moi depuis la rive nord inspirante du majestueux lac supérieur pour une séance de méditation sur l'eau. Assoyez-vous dans une position confortable. Vous pouvez garder les yeux fermés ou poser votre regard en douceur devant vous. Commencez par 3 lentes et profondes respirations. Maintenant, prenez une petite gorgée d'eau. Prenez une autre gorgée. Prenez votre temps. Faites bouger l'eau dans votre bouche. Quelle est la température? Que ressent-on? Quel rapport entretenez-vous avec l'eau? Pensez à la provenance de votre eau. Imaginez son parcours, du ciel à la terre, à un ruisseau ou à un lac, dans le sol jusqu'à un aquifère, en passant par un centre de traitement de l'eau, des tuyaux et des robinets, avant de se retrouver dans votre verre. Pensez à un moment où vous aviez soif. Vous souvenez-vous de ce que vous ressentiez? Prenez une autre gorgée et imaginez que vous prenez ce premier verre d'eau, celui qui a finalement étanché votre soif. Vous avez peut-être passé du temps sur le lac supérieur ou sur un autre plan d'eau, un lac ou une rivière. Tout en tenant votre verre d'eau dans vos mains, essayez de vous remémorer cette sensation d'être sur l'eau, de flotter dans un kayak, un canot, ou un bateau. Pensez à la façon dont l'eau vous portait. Plongez le bout de vos doigts dans votre verre d'eau. L'eau est-elle froide ou chaude sur votre peau? Imaginez la sensation de plonger dans un lac ou une piscine, ou de laisser les vagues clapoter ou déferler sur vos pieds. Que ressent-on? À quoi cela ressemble? Avez-vous déjà passé du temps à pêcher sur l'eau ou à regarder les poissons sauter? Avez-vous déjà vu des oiseaux se poser gracieusement sur la surface d'un lac ou nager et plonger pour trouver de la nourriture? Levez votre verre vers votre visage et respirez profondément. Puis expirez lentement. Le lac supérieur est un habitat, une maison pour les plantes et les poissons, du phytoplancton à l'ombre de la fontaine. Pensez aux nombreuses façons dont le lac nous nourrit et nous approvisionne. Ouvrez les yeux. Je vous remercie de vous être joint à moi aujourd'hui pour vous arrêter et réfléchir à l'importance de l'eau. Je m'appelle Nicole et je vous parle depuis les rives de l'aire marine nationale de conservation du lac supérieur. J'espère que vous vous joindrez à moi pour exprimer votre appréciation du lac supérieur qui contient 10% de l'eau douce disponible sur Terre. C'est un lac magnifique, puissant et généreux. Comment allez-vous redonner?